Bonjour à tous et bienvenue pour l'invité du jour. À quoi ça sert de vivre plus longtemps si c'est pour vivre seul ? Mona Lisa comme mobilisation nationale contre l'isolement social des âgés. Cette association Mona Lisa organise aujourd'hui à Bordeaux une journée donc de sensibilisation sur le sujet. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Isabelle Madrid qui est la présidente départementale de l'association. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que c'est exactement Mona Lisa ? Comment ça a été créé et qu'est-ce que c'est ? Alors Mona Lisa, c'est une coopération d'acteurs. Ça va du politique, associatif et aux citoyens. En fait, c'est une grande chaîne d'aidants et à la fois aussi une offre de services bénévoles multiples. Ça a été créé par Michel Delaunay. Michel Delaunay, vous rappelez, ministre, très volontariste, qui attend cette grande loi et qui a eu cette bonne idée d'une gouvernance très partagée pour se dire, justement, on va lutter contre les personnes âgées. L'isolement des personnes âgées. Oui, bien sûr, contre l'isolement des personnes âgées, qui était déjà criant et qui posait déjà... Ça, c'est encore plus maintenant. Cette gouvernance nouvelle, elle a été lancée dans toute la France. Aujourd'hui, on la relance. Pourquoi est-ce qu'on la relance ? Tout simplement parce qu'on a trouvé, comme toute coopération, on a besoin d'un animateur. Et aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la conférence des financeurs, dont le principal financeur est le conseil départemental, on a trouvé un financement pour avoir quelqu'un qui va s'en occuper à plein temps. Et donc, on estime à 56 000 personnes en situation, on dit mort sociale en Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire quoi, la mort sociale ? C'est-à-dire qu'on reçoit une visite par semaine au maximum. Et pourquoi vous êtes impliqué dans cette association, vous personnellement ? Tout simplement parce qu'en fait, moi, le bien vieillir me préoccupe beaucoup. Moi, je suis élue à Talence. Je suis aussi à l'Union nationale des CCS. Je siège à la 5e branche, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, cette politique nationale a le besoin d'être globale, d'avoir une vision aussi bien de la prévention. Et Mona Lisa, c'est de la prévention. Il ne faut pas oublier qu'être resté seul, c'est de la dépression. D'abord, c'est un fléau, mais c'est de la dépression, c'est des AVC, c'est des arrêts cardiaques beaucoup plus fréquents, d'aller jusque ce qu'on appelle l'aménagement de la ville pour justement éviter cet isolement. Alors, il y a 12 millions d'aînés qui sont isolés en France. On dit que c'est un chiffre qui est en augmentation. En 2017, c'est 900 000 plus 122%. Pourquoi on est de plus en plus isolés ? Parce que notre société est contemporaine et comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment tous vos voisins. Peut-être pas tous. Donc, comme quand on connaît pas tous. Je les connaissais pendant le confinement. Voilà, le confinement a permis ça. On s'est aperçu que la solitude, c'était un drame. Et là, il paraît, la seule chose, ce drame, il est quotidien pour certaines personnes. Et donc, cette augmentation, elle est faite de notre société aussi. Après, sans doute de la complexité, on a moins de commerce autour de nous, on a moins de sorties. À un moment, c'est aussi ça. Il faut pousser. Mona Lisa, c'est aussi aller chercher les personnes pour qu'elles continuent à sortir, à bouger un peu, à continuer à vivre. Mais est-ce que ces personnes âgées, elles n'ont pas aussi envie d'être tranquilles et d'être justement un peu isolées ? Entre être tranquille et se retrouver seule, je pense que ce n'est pas la même chose. On a beaucoup de témoignages, au contraire, qui nous disent que ça a changé leur vie. Bien sûr, cette petite visite, cette sortie culturelle, un appel toutes les semaines... Alors justement, votre association, elle propose par exemple des appels toutes les semaines. Comment vous fonctionnez ? Alors tout simplement, aujourd'hui, vous savez, pendant la canicule où il y a eu tellement de décès, on a un fichier canicule, le fameux fichier canicule. Donc on écrit pour l'instant aux personnes âgées et on leur propose surtout l'été de leur dire, alors les enfants ne sont pas là, la famille est un peu plus éloignée, part en vacances. Donc on a décidé de les appeler. Cet appel, maintenant, ça continue toute l'année. Et puis maintenant, il y a une vraie avancée sociale qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va partager les fichiers avec le conseil départemental. Bref, en dehors de ça, il y a aussi un numéro d'appel. On appelle son CCS. On va essayer de mobiliser les commerçants. On va essayer de travailler avec les services d'aide à domicile, avec les infirmiers. Tous ceux qui peuvent nous dire « Madame machin, je l'ai vue ». Vous savez, elle est seule, elle est vraiment sans famille, ça serait bien d'aller lui faire un petit coucou. Justement, la problématique de l'association, c'est pas justement de faire le lien. On sait qu'il y a des personnes qui sont seules, mais les personnes qui sont aidantes ne savent pas forcément comment se faire aider pour les aider. Ah, ça, c'est toute la complexité. Il y a en tout cas repérer, après il y a faire une offre de service, hein, multiple. Enfin, pourquoi est-ce qu'on est si nombreux et on veut être encore plus nombreux ? Il y a... dans ce repérage, ce dont on parlait, mais il y a aussi les acteurs. Donc nous, par exemple, on a Fait de Cœur qui s'est spécialisé dans le lien numérique. C'est vrai que souvent, on vous appelle sur un petit téléphone, sur une tablette, mais enfin,
on est plus ou moins habile là-dessus, donc ils forment là-dessus. Puis il y a beaucoup de démarches, le numérique fait partie de notre vie. Il y en a d'autres, le service civique, Solidarité Senior, qui les amène, qui va. Il y en a qui organisent des sorties culturelles. Et puis il faut pas se leurrer, c'est aussi un plus pour les aidants. Vous savez, ces fameux aidants proches. Donc qui peuvent être les infirmiers à domicile, qui peuvent être la famille. Qui sont les aidants aujourd'hui des personnes âgées ? Tout le monde. Il y a l'aidant professionnel, bien sûr. Celui qui vient faire le ménage, celui qui apporte un soin. Et puis, il y a l'aidant proche, celui dont on parle, le fameux épuisement, souvent. Parce que quand votre mari, quand vous avez 94 ans et que votre mari n'est pas bien, c'est vrai que c'est épuisant. Donc, il y a aussi ces personnes-là qu'on peut aider. Ces personnes-là peuvent aussi nous appeler pour dire « voilà ». J'ai besoin d'aide. On va rappeler votre téléphone à la fin de l'interview. Merci. Mais dans les acteurs du réseau, vous avez aussi donc les villes, la ville de Talence ou la ville de Bordeaux, avec qui vous espérez signer quelque chose aujourd'hui. Oui, on a bien sûr les villes et puis on a l'Union départementale des CCAS qui nous a rejoints. C'est très important. Le CCAS, c'est la première porte d'entrée. Quand ça ne va pas bien... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on rappelle CCAS. C'est un centre communal d'action sociale, pardon. Et en fait, moi je suis vice-présidente d'un CCAS de Talence, sachant que c'est toujours les maires qui sont présidents. Et ça nous permet aujourd'hui de dire, ben voilà, vous avez un problème, on est là. Et Dieu sait si l'isolement des personnes âgées et l'aide aux personnes âgées est un problème. C'est notre deuxième dans les CCS, c'est le deuxième priorité. Et alors, vous travaillez aussi avec d'autres associations, par exemple Petits Frères des Pauvres ou d'autres associations ? Bien sûr. L'idée, en fait, c'est de les mettre en lien. Et donc, aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est d'appeler un téléphone. Vous pouvez nous dire comment ça fonctionne et donner le téléphone ? Alors, le téléphone, on va tomber sur ce coordonnateur et qui va pouvoir relayer. L'idée, c'est vous habitez où ? Quels sont les besoins ? Parce que le besoin peut être divers. Et avec qui on va travailler pour répondre à ces besoins ? Très bien. Eh ben, le téléphone va s'afficher en bas de votre écran. C'est un 06 et c'est pour ça que c'est bien. Ça veut dire aussi que vous pouvez le joindre à tout moment. Merci beaucoup Isabelle Madrid d'avoir été avec nous ce matin. Donc présidente départementale de l'association Mona Lisa. Si on tape Mona Lisa sur Internet, on retrouve aussi l'association Mona Lisa qui signifie Mobilisation Nationale contre l'isolement social des âgés. Vous avez été avec nous aujourd'hui pour votre réunion annuelle de l'association qui a lieu à Bordeaux. Restez avec nous, l'information continue sur TV7.